Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer ici l'onglet que j'ai créé et je voulais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai créé cet onglet. Ça part d'un constat simple. En gros, moi ce que je me suis dit, c'était déjà d'une part, j'en avais marre de ne pas avoir ce qu'il fallait quand il fallait que je fasse quelque chose sur Excel et que c'était relativement pointu. Donc ça, c'était la première chose que je voulais, c'était d'avoir ce qu'il fallait parce que justement, j'en avais marre et j'étais enragé justement à l'idée de que mes collègues ou mes concurrents arrivent à faire un graphique, je sais pas moi, type objectif, d'atteinte d'objectif, et il fallait que j'aille chercher les informations sur Internet, sur YouTube, sur des livres, sur des forums pour avoir telle et telle chose, et j'étais toujours hors délai lorsque je voulais rendre mon graphique ou mon fichier Excel à mon boss. Ça, c'était ça ma problématique. Et c'était assez frustrant, c'était assez angoissant parce que justement, j'étais jamais prêt et je voyais suivant les domaines d'activité, que ce soit du domaine électrique, du management de projet, de la comptabilité, c'était pénible. Et par rapport à ça, moi je voulais mettre en avant, et c'est ce que j'ai fait sur ce site, sur mon site internet, j'ai voulu mettre en avant. Je voulais expliquer déjà le principe en disant, bah voilà, vous saurez faire tel et tel fichier Excel, tel et tel graphique, tel et tel, par exemple ici, vous avez un graphique de type pourcentage, vous avez le pourcentage de base, les graphiques de type thermomètre, mais là, vous avez la version beaucoup plus design et on apprend à faire ce fichier, ce graphique dans ce fichier de manière simple. Et c'était ça l'objectif, c'était ça la promesse que je faisais à l'intérieur de cet onglet et dans ce principe-là, c'était le fonctionnement de mon site internet. C'est-à-dire, j'apprenais une notion de 3 minutes en expliquant, voilà, on va faire ça, on commence d'une feuille vierge ou d'une feuille avec un petit canevas et on arrive à faire tel type de graphique au bout de 3 ou 4 minutes. Et par rapport à cette promesse d'apprentissage, de faire des vidéos et de dire, bah voilà, vous allez faire ce graphique, on va apprendre ensemble à faire tel type de graphique, tel type de courbe, tel type de diagramme, de dashboard par exemple, et ben, au-delà de ça, ce que je voulais, c'était aller plus loin et me dire, bah tiens, demain, je dois aller, je sais pas moi, aux États-Unis ou au milieu de la France. Je voulais avoir une trousse à outils pour me dire, bah tiens, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir travailler et pouvoir avoir les informations sans avoir à aller sur Internet pour apprendre telle et telle chose sur tel type de graphique ou tel type de fichier. Donc, dans cette page, il y a des graphiques, mais il n'y a pas que des graphiques. Il y a aussi, par exemple, comment faire un graphique de Gantt. On appelle ça un graphique de Gantt, mais c'est une barre cumulée ici avec un coloriel. Donc, on peut faire de la planification ici avec une mise en forme type graphique. Mais là, en fait, en l'occurrence, c'est juste une mise en forme conditionnelle avec des symboles. Et ce que je voulais, c'était avoir cette trousse à outils toujours à portée de main. Alors c'est sûr, ce que je veux vous dire par là, c'est que si demain vous partiez en déplacement, bah, vous aurez toujours cette trousse à outils avec vous et vous saurez toujours vous en servir. Gros avantage, c'est que ça se prend sur une clé USB, vous l'avez à votre trousseau de clé et vous êtes toujours avec une grosse valise avec vous. Alors la plupart des gens vont s'imaginent que ben oui forcément apprendre des graphiques c'est facile, c'est simple, on en trouve plein sur internet, on va dans des organismes de formation en 2-3 jours, ben on sait en faire et on a tout le panel de ce qu'on peut apprendre sur Excel de manière simple et c'est justement par rapport à cette simplicité que souvent ça l'est pas, puisque en fait on va faire des cas d'école et à chaque fois ça ne s'adapte pas forcément à ce que vous allez rencontrer dans la vie professionnelle ou par rapport à ce que vous allez avoir au bureau, au boulot, parce que justement dans les formations comme ça sur 2-3 jours on va faire des cas d'école. Et justement, l'objectif d'avoir cette valise, c'était de pallier toujours un peu à l'imprévisible et d'avoir toujours cette valise à outils près de soi et d'être toujours prêt au cas où. Donc c'était ça le grand principe de ce système de zip que j'ai appelé pack spécial l'été. Hein, c'était en l'occurrence, je l'avais fait avant l'été et je me suis dit, bah tiens, en 2-3 minutes, durant l'été, on peut déjà apprendre un gros volume d'informations. Au niveau de
Pour la petite histoire, en fait, moi, pourquoi j'ai voulu faire ce fichier et cet ensemble de fichiers, c'est au début, j'étais pas un expert dans le domaine, c'est-à-dire que je suis tombé sur Excel par rapport à mon stage d'ingénieur, et j'ai rencontré quelqu'un qui vraiment maîtrisait Excel et qui m'a montré à faire ça ici, et les graphiques, et les macros, et petit à petit, en fait, je me suis créé ma trousse à outils, j'ai voulu mettre en place un blog, maîtriseexcel.com, et en gros, mon but c'était d'expliquer comme moi on m'a expliqué quand j'ai commencé sur Excel. L'objectif c'était de partager, d'échanger et d'arriver à avoir une interaction enrichissante comme moi je l'ai eu quand j'ai débuté sur Excel. Alors, en gros, qu'est-ce que vous allez obtenir si jamais vous décidez d'acheter ce pack donc, moi ce que je voulais par là c'était dire déjà, vous avez déjà 45 fichiers qui touche différents domaines, donc ça peut être de la géographie avec la carte de région de la France, vous avez le Japon, vous avez des modèles pour faire des graphiques de type donuts, vous avez des graphiques de type tout simple avec des bar graphes, alors moi j'appelle ça bar graphe puisque c'est une barre progressive, vous avez les mises en forme conditionnelles exploitées de différentes façons, vous avez des graphiques de type thermomètre. Vous avez des graphiques pour tout ce qui est objectif, comparaison dynamique, des graphiques à anneaux, des graphiques en camembert. On l'a vu tout à l'heure, des graphiques pour faire de la planification. On a même quelques fichiers sur les tableaux croisés dynamiques. Vous avez également la fréquence, des fichiers sur la police. Vous avez sur les pourcentages cumulés, donc c'est-à-dire on peut l'utiliser pour faire du Pareto, ça. Et vous avez les anneaux. Vous avez tout ce qui est jauge. Et vous avez les demi-camemberts. Et vous avez ce fichier qui s'appelle Global Graph. Dans ce fichier-là, pour faire simple, vous avez tout un listing de fichiers. Alors, je vais aller le chercher. Vous avez tout un listing de fichiers avec les différentes notions. Vous avez le tutoriel. Vous avez donc les différentes étapes, par exemple, pour faire une pyramide des âges. Décomposition unitaire, performance multi, comparer, atteinte d'objectifs. Et donc, vous avez les différentes étapes pour arriver au résultat. Donc, vous avez un certain nombre de fichiers répartis sur des onglets. Et par rapport à ça, à la fin, vous avez tous les liens pour aller apprendre les notions sur soit Dailymotion, soit sur YouTube. Et vous avez les tutoriels ici qui sont disponibles. Donc ça c'est le fichier Global Graph. Et on va aller voir tout de suite sur la partie donc à l'intérieur du pack Tongue. Vous avez donc je vais sélectionner l'ensemble du pack Tongue. Vous avez exactement 46 fichiers correspondant à peu près à 19-20 mégaoctets. Donc ça tient sur une carte sur une clé USB. Et vous avez l'ensemble des différents fichiers qui sont disponibles. Donc ici vous avez un graphique de type cerise pour apprendre à faire un graphique de type cerise. Vous avez ici par exemple l'avancement en pourcentage, donc une notion pour apprendre l'avancement en pourcentage. Donc ici c'est un carré et le carré se remplit suivant le pourcentage que vous indiquez dans la cellule A1. Après on en a d'autres, on a l'atteinte des objectifs. Donc ici c'est un graphique de type barre empilée avec objectif, les différents objectifs, l'auto-évaluation, l'évaluation hiérarchique et la priorité. Les images interactives, donc ici c'est relativement pratique ce petit fichier aussi pour faire. Alors c'est un exemple relativement simple avec trois images, mais vous pouvez faire. Vous voyez, l'image change suivant ce que l'on choisit dans le menu déroulant ici. Et après vous avez des bannières, vous avez les régions de France, donc pareil, région comme ceci. Donc vous avez tous les fichiers qui sont disponibles et que vous recevrez ici avec le pack Tongue. Alors, par exemple, dès ce soir, vous aurez appris à faire un graphique de type Gantt, par exemple. Et à la fin de l'année, vous maîtriserez l'ensemble de toutes ces notions. Bien sûr, ça ne va pas se faire sans travail. Il faudra quand même travailler et je serai là en soutien si jamais vous avez besoin via le site internet, via le forum.
via la page avec le contact ici, avec qui suis-je. Et puis vous avez la newsletter si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc au lieu d'aller chercher les informations sur YouTube, sur Dailymotion, sur plein d'autres sites, en plus d'avoir ces informations, vous avez les fichiers avec vous. En gros, vous allez passer pour un professionnel en moins d'une semaine. Parce que si vous allez, par exemple, on vous demande demain de faire un graphique de type barre empilée ou de faire un diagramme de Gantt, au lieu de faire un diagramme de Gantt tout simple en coloriant les cellules sur Excel progressivement et de faire tout à la main, bah là vous allez avoir un diagramme de Gantt où vous allez remplir simplement les cellules ici en faisant une poignée de recopie et toutes les informations ici de durée va se comptabiliser tout seul. Donc vous allez augmenter votre niveau de performance et vous allez passer pour un professionnel. Alors comme je le disais, hein, c'est pas non plus quelque chose de miraculeux, il faut aussi travailler pour le mettre en forme suivant vos besoins. Mais par exemple en moyennant, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes par rapport à votre besoin, vous arriverez à avoir ce que vous voulez. Donc en gros c'est 46 fichiers Excel qui sont répartis dans ce dossier. Ce dossier va être zippé ici, il est là. Et quand vous allez aller sur le site internet, en bas de la page, donc vous avez toutes les explications, les différents fichiers disponibles, donc une partie justement de ces fichiers. Et une fois que vous aurez ici, vous déployez la partie panier et vous avez ici la quantité et le checkout with PayPal. Vous cliquez simplement ici. Ça va vous renvoyer vers PayPal. Et donc après, reste si vous avez un compte PayPal de rentrer vos coordonnées, de valider, ça sera directement envoyé. Je recevrai moi de mon côté une notification par email que je recevrai sur mon téléphone. Et dans l'heure qui suivra, vous aurez tout de suite le pack à disponibilité. Et bien sûr, je serai là si jamais vous avez la moindre question. Voilà comment marche la page internet et comment marche cette page avec la catégorie ici qu'on a pu voir, la partie produit. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur le site. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, dites-le moi. Et si vous souhaitez acheter, cliquez simplement ici. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.